والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ عبد الله رحمه الله: قال الله تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. معناه: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فهو كافر، وإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. Cheikh Abdullah a cité l'aya, la parole de Dieu, qui signifie que celui qui n'a pas cru en Dieu et son messager, certes on a préparé pour les mécréants un feu ardent. Ça veut dire celui qui n'a pas cru en Dieu et mécréant, celui qui n'a pas cru à son messager et mécréant, et Allah a préparé pour les mécréants un feu ardent, un très dur châtiment dans l'enfer. الشرح هذه الآية فيها دليل على ما مر من أن الإيمان بمحمد لا بد منه لصحة الإيمان. لا يكفي أن يقول الإنسان أنا أؤمن بالله، لا بد أن يقرن الإيمان بالله مع الإيمان برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Alors, الآية est un argument que ne suffit pas le fait de croire en Dieu sans croire au prophète محمد صلى الله عليه وسلم. Alors si la personne n'a pas cru au messager de Dieu, il n'est pas croyant. حتى يكون العبد مؤمنا لابد من الإيمان بالله ورسوله والإيمان بما جاء عن الله وعن رسوله. Alors pour que la personne soit croyante, considérée croyante, il faut croire en Dieu et ce que Allah Ta'ala a révélé à Sayyidina Muhammad et le fait de croire au prophète Muhammad et ce que le prophète Muhammad a transmis. C'est-à-dire il y a des choses évidentes qui ont été révélées et que le prophète a transmis, on ne peut pas les nier. في أشياء النبي أوحي إليه بها والنبي بلغ أمته في أشياء قطعية فمن أنكرها لا يكون مؤمنا. وقوله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله أي لا نفرق بوجوب الإيمان بين أحد من رسله، كما يجب الإيمان بآدم أنه نبي رسول، يجب الإيمان بموسى أنه نبي رسول، يجب الإيمان بعيسى أنه نبي رسول، يجب الإيمان بمحمد أنه نبي رسول. Alors il n'y a pas de différence dans l'obligation de croire à tous les messagers comme on doit croire à Adam. Notre père Adam qui est un prophète messager, il faut croire à Nuh qui est un prophète messager, il faut croire à Ibrahim qui est un prophète messager, il faut croire à Moïse comme prophète messager, Isa un prophète messager, Sayyidina Muhammad un prophète messager. فلو قال واحد انا اؤمن بالله واؤمن بعيسى لا اؤمن بمحمد لا يكون مؤمنا. Alors si la personne a dit je crois en Dieu, je crois à Jésus mais pas à Moïse ou pas à Muhammad, il n'est pas croyant. Même si quelqu'un il dit je crois en Dieu et à Muhammad, je ne crois pas à Jésus comme prophète messager, il n'est pas croyant non plus. إذا قال واحد أنا أؤمن بالله أنه هو المستحق للعبادة وأؤمن بمحمد أنه النبي رسول أنه آخر الأنبياء لكن لا أريد أن أؤمن بعيسى لا يصح إيمانه لأنه كذب ما في القرآن لأنه كذب ما في القرآن. Alors il n'est pas croyant parce qu'il a rejeté quelque chose qui est dans le Coran. بعض الجهال في لبنان بالحرب كان بعضهم مثلا يمكن لعله يعني يحصل انه هذاك يشتم الاسلام كذا فهذا ايش يسب له عيسى. لا، ما سبته عيسى كفر، ما فيك تسب نبي من الانبياء. Alors j'ai dit que dans la guerre de Liban des fois ceux qui se battent peut-être l'autre de l'autre côté il insulte l'islam et certains de l'autre côté il insulte Isa alayhi salam. Non, le fait d'insulter l'islam c'est de la mécréance, le fait d'insulter un prophète c'est de la mécréance, qu'il soit Jésus, Moïse, Adam, Mohammed, Ibrahim, Nuh, ma sabbatu nabiyya min al-anbiya tukhrijna l'islam. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قل أبالله وآياته ورسوله دي أس دو ديو دو سي فيرسي دو سون ميساجي vous vous moquiez, ne demandez pas, ne cherchez pas d'excuses, vous avez mécru après que vous avez montré l'islam.
نحن نؤمن أيضا بالكتب المنزلة على الأنبياء. On croit au livre révélé aux prophètes. التوراة نزل على موسى والإنجيل نزل على عيسى والزبور نزل على داود. لكن هذه الكتب الآن غير موجودة من دون تحريف، إنما زيد عليها وأنقص منها. Les livres révélés à Jésus, l'Injil, c'est pas les évangiles. L'Injil, un livre révélé à Jésus s'appelle l'Injil, l'Évangile. Et il y a le livre révélé à Moussa, à Taurat. Il y a le livre révélé à Daoud, les psaumes. On croit à tous ces livres. Mais actuellement, est-ce qu'ils existent, ces livres, intacts, sans être changés? Non. أما القرآن الله حفظه من التحريف. القرآن الكريم الله حفظه من التحريف. قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله سبحانه وتعالى a dit c'est nous qui avons révélé ce livre, le dhikr, c'est-à-dire le Coran, et c'est nous qui le préservons. Allah Ta'ala a préservé le Coran. Ils ont essayé à l'époque et dans tout, même sur Internet maintenant, il y a des fausses choses. Se disent voilà le Coran et qui est falsifié, mais les musulmans ils ont déjà appris le Coran par cœur. Il y a des millions, c'est pas des milliers, des millions qui ont appris le Coran par cœur. لما دخل الانجليز على الهند وصار يساعدوا الهندوس ضد المسلمين. Lorsque les Anglais ont rentré à l'Inde à l'époque, il y avait pas Pakistan, Bangladesh, l'Inde, c'était l'Iqlim al-Hind wa-Sind, c'est-à-dire on dit c'est tout un pays et la domination et la force c'est pour les musulmans. Il y avait le Sultanat al-Maghol, les Mongols qui ont embrassé l'islam, qui dominaient cette région. Et les Anglais ont aidé les autres, les Hindous contre les musulmans, et à un certain moment le général là-bas il a ordonné de brûler le Coran. Parce qu'il y avait une révolution contre eux. Alors un savant, il a amené deux petits enfants et il a dit voilà, récite. Il a récité de Fatiha, Sourate Al-Baqarah, Al-Imran. Il a dit arrête, récite l'autre. Il a continué, il a dit si tu as brûlé le Coran, tu as enlevé de la main, mais tu ne peux pas l'enlever du cœur, parce que nous on l'apprend par cœur et les enfants apprennent ça par cœur. الملايين بإفريقيا والهند وباكستان وبنغلاديش يحفظون القرآن غيبا. فهؤلاء يسعون، لكن خلص الله سبحانه وتعالى قال وإن له لحافظون. من 1400 سنة ما ضيعنا آية ولا حرف من آية. Depuis 14 siècles et plus, on n'a pas perdu une آية dans le Coran ni une lettre. أما تعرفوا أنتم في قراءات للقرآن، حفص ورش وقالون وقنبل، في اختلاف بالقراءات، وهذه القراءات مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il y a la lecture du Coran, il y a cette lecture متواترة que les compagnons ont transmis de la part du prophète عليه الصلاة والسلام. C'est-à-dire le prophète il a lu comme il rapporte حفص, il a lu comme il rapporte ورش, il rapporte comme tu vois les autres lectures. C'est le prophète qui a lu ça avec ses compagnons. مش انه هذا القراءات الموجوده في تونس وورش في المغرب وحفص بمصر، انه ليس هذا شيء الصحابه اجتهدوا فيه. النبي هو اقراهم، النبي عليه الصلاه والسلام هو اقرا الصحابه والصحابه قرؤوا التابعين وهكذا. الان بالنسبه للكتب السماويه هو الباقي من التحريف القرآن الكريم. لعله بقي بعض العبارات في التوراة أو الإنجيل اللي هي ليست محرفة، بعض العبارات peut-être resté certaines phrases, certaines paroles qui n'ont pas été falsifiées, mais أن يكتب في بعض الكتب أن عيسى ابن الله، هذا أكيد، هذا ليس من كلام الله ولا من كلام عيسى. Alors le fait de dire dans certains livres ils attribuent à Jésus la divinité ou ils attribuent à Jésus qu'il est le fils de Dieu, alors ce n'est pas du tout de la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de Jésus non plus. فنقول عيسى جاء بالإسلام وموسى جاء بالإسلام وإبراهيم جاء بالإسلام. لأن بعض الناس بيستعملوا عبارة الأديان السماوية الثلاث. ليش عم تقولوا ثلاث؟ إذا عم تقول أنت الإسلام والمسيحية واليهودية أديان سماوية ثلاث، قبل ما أشرح وإبراهيم وين راح وسيدنا نوح وين وسيدنا آدم وين مثلا. لكن إذا قلنا الشرائع السماوية يصح،
الشرائع السماوية، شريعة موسى، شريعة يعني أحكام عملية في أنزلها الله على إبراهيم، أنزلها الله على يعقوب، أنزلها الله على موسى، أنزلها الله على عيسى، أنزلها على سيدنا محمد. للواد براتيك الشرائع اليونا بليزيور، لأنه في 313 رسول، في 313 مساجي. هل الشرط أن تكون الشرائع 313؟ لأنه في بعض الأحيان بيكون نبيين رسولين بنفس الوقت، موسى وهارون. Des fois il y a les deux prophètes messagers en même temps comme Moïse et Haroun. Ce sont deux prophètes messagers. Leur charia c'est la même, c'est ce qui est dans la Torah. Lakin il y avait des centaines de charia. Il y a fi mi'at charia. Voilà mon coup de charia, c'est-à-dire par exemple nous on fait cinq prières au temps de Jésus, il y avait deux prières et au temps de Moïse aussi. Nous la zakat on paye pour l'or et le commerce 2,5. Un quart d'un dixième. Au temps de Jésus, c'est le 25%, le quart. Celui qui a 100 pièces d'or, 100 pièces, il faut qu'il paye 25 pièces au temps de Jésus. Nous, maintenant, on paye 2 pièces et demie. Si on a 100 pièces, c'est-à-dire 100 dinars, 2 dinars et demi. Et il y en a d'autres choses encore dans la pratique. Nous, le samedi, on a le droit d'aller faire la pêche, la chasse. Mais au temps de Shari'at Moussa, il n'y avait pas le droit d'aller faire la chasse et la pêche le samedi. Mais ça a été abrogé après. Si quelqu'un dit, on dit, ah nous, le samedi, le Shabbat, ça a été abrogé déjà par Jésus. Izan, inna dina inda Allah l'islam, la religion agréée par Allah c'est l'islam, et Moïse est venu avec l'islam, et Jésus est venu avec l'islam. Si moi et vous, on était au temps de Jésus, on doit dire, La ilaha illallah, Isa Rasulullah, Jésus Rasulullah. Et on doit pratiquer les lois que Allah Ta'ala a révélées à Jésus pour la zakat, pour la prière, tu vois, le jeûne, parce qu'il faisait encore le jeûne, mais dans d'autres mois que le ramadan. Voilà, il y avait des règles au sujet de l'héritage, au sujet du mariage, au sujet de divorce. La lapidation était, et c'est pas une chose abrogée, la lapidation pour la fornication. Mais eux, Bani Israël, eux-mêmes, ils ont abrogé. Pourquoi? Parce que ils, avec les relations, tout ça, ils ont arrivé que si un pauvre fait la fornication, il le tue, il le lapide. Et si le riche a fait, on le laisse passer. Après, ils ont dit, il faut qu'on opte quelque chose pour tout le monde. Alors, ils le déshabillaient, ils le mettaient le charbon sur lui, ils le mettaient sur une monture à l'envers, ils lui font la tournée dans la ville, pour tout le monde. Mais ça, ce n'est pas une loi révélée. Ça, ce n'est pas une loi que Allah a révélée à Jésus, à Moïse. Bref, lorsque j'ai dit les lois de pratique, il y a une différence, mais la foi, la croyance, ce qui a été révélé à Adam, ce qui était révélé à Ibrahim, ce qui était révélé à Moïse, ce qui est révélé à Jésus, et il est identique, il n'y a pas même à l'équivalent d'un poil de différence. Asham al-Najashi, لما سمع سورة مريم وماذا قال جعفر أخو سيدنا علي قال ما في بينما جئت به وما جاءت من وما جاء به محمد وما جاء به عيسى ما أخبرت به وما جاء عن محمد وما جاء لا ليس فيه فرق مقدار هذا العود الصغير إنه لا يخرج من مشكات واحدة. Alors أصحاب النجاشي a confirmé que la religion de Jésus est identique complètement à la religion de Sayyidina Muhammad عليه الصلاة والسلام de point de vue foi, de point de vue croyance. تعرفوا ليش؟ لأن العقيدة حقيقة ثابتة لا يمكن أن تنسخ مع الوقت. مش مثل الحكم بأحكام الصلاة منصلي مرتين أو خمسة. الزكاة تدفع الربع أو العشر أو الخمس. C'est pas une la croyance c'est une réalité confirmée fixe qui ne change pas avec le temps. Tu dis Dieu est unique. Dieu est unique au temps de Adam et aujourd'hui et voilà c'est toujours Dieu est unique. Dieu ne ressemble pas à ses créatures. Dieu ne ressemble pas à ses créatures. إذن الله واحد لا شريك له. الله تعالى لا مثيل له. العقائد حقائق ثابتة لا تقبل النسخ. لا تقبل النسخ أبدا. إذا أنت بتقول الله تعالى أول بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، هذه حقيقة ثابتة. الله أول بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. الله هو القادر على كل شيء ولا يخفى عن علمه شيء.
الله لا يجوز عليه الولدية، لا يجوز عليه التجزؤ والتباعد. هذه حقيقة ثابتة. الله تعالى n'enfante pas, n'engendre pas, n'a pas été engendré, n'est pas encore pour qu'il accepte la division. لذلك قلنا الدين واحد، كل الأنبياء دينهم الإسلام. فمن نسب إلى عيسى الألوهية ما عاد مؤمنا. Celui qui dit Jésus est un dieu, il n'est pas musulman. Celui qui dit Jésus et Mohammed ce sont deux menteurs, il n'est pas musulman. اللي بيقول عيسى كذاب ومحمد كذاب خلص آخر نبي موسى وما في نبي بعده ما بيكون مؤمن، لأنه ما آمن بنبي أيده الله بالمعجزات. Il n'a pas cru à un prophète qui a été appuyé par des miracles. سيدنا عيسى وسيدنا موسى. بين عيسى وموسى بين عيسى ومحمد ما في أنبياء. Entre Jésus عليه السلام et prophète Mohammed il n'y avait pas des prophètes. لكن بين موسى وعيسى كان أنبياء كثر. كانت شريعتهم إيش شريعة موسى. entre Moïse et Jésus les prophètes ils étaient nombreux et ils avaient tous les lois révélées à Moïse. إلا إلى أن بعث عيسى فالله تعالى إيش أوحى إليه بالإنجيل ونسخ بعض الأحكام. الله lui a révélé l'Injil à سيدنا عيسى et il a révélé certaines lois. كما قلت العقائد لا ينسخ منها شيء. في يعني حتى نحكي شيء pour dire quelque chose dans le fondement de la croyance. الوليد بن عبد الملك اللي كان الخليفة الأموي الخليفة أموية أدمس أراد أن يعيد بناء المسجد. هو مسجد بني أمية. il y avait la mosquée أمياد en Damas jusqu'à aujourd'hui. à la base peut-être elle était sur une église et avant l'église on va parler maintenant. Alors il a voulu, il a dit, mettez les murs sur des rochers. اجعلوا الجدر على صخور. Alors ils ont cherché, ils ont trouvé trois places, ils ont trouvé des rochers. من ثلاث نواحي وجدوا صخور. إذن وضع الحائط على صخر حتى يكون متين pour qu'il soit solide. D'un côté, ils n'ont pas trouvé. قالوا احفروا انزل creuser. Alors ils ont creusé, ils ont trouvé une base. Une fondation, c'est-à-dire fondement des pierres anciens, un mur construit. Il a dit creuser encore pour voir c'est quoi ce mur. Alors ils ont creusé encore, ils ont trouvé des rochers sur lesquels il y a des écritures grecques anciennes. Kitab yunani qadim. فقال ايتوا بمن يحسن القراءة لهذه اللغة. Amenez des gens qui arrivent à lire cette langue. وضعوا عليها تلوين. Ils ont mis un peu de l'encre pour faire apparaître les lettres. فإذا شو مكتوب جابوا. Ils ont amené des gens du loin grec qui arrivent à lire cette langue. قال مكتوب لما كان هذا العالم لا يخلو من أمارة الحدث دل على وجود الموجد الأزلي. Il a dit, c'est écrit, lorsque le monde, ce bas monde, n'est jamais sans les signes de contingence. Tu as vu les signes de contingence? التغير. لما كان هذا العالم لا يخلو من أمارة الحدث. C'est-à-dire le monde toujours il est dans le changement. Tu vois autour de toi toujours les choses changent. Et ça c'est un signe qu'il est créé. هذا يدل على أنه إيش محدث. قال دل. Ça c'est un argument qu'il y a un créateur azali. Il y a un créateur qui n'est pas créé, un créateur azali sans début. Il a dit, ce lieu de culte, هذا المعبد أو هذا المسجد, a été construit, بني لعبادة الموجد الأزلي, a été construit pour adorer le créateur qui n'a pas de début, على يد فاعل خير. C'est un homme de bien qui a ordonné de construire sur ses frais cet endroit, cette mosquée. Il a dit, alors c'est lui qui rentre prier, qu'il fait des invocations pour lui. On parle de quelques milliers d'années, on parle de quelques de milliers d'années avant Sayyidina Muhammad, alayhi salatu wassalam. هذا الدليل, هذا الكلام المكتوب, وين في بالقرآن قريب منه, où il y a dans le Coran quelque chose qui est proche. Parce que هذا معناه كلام من الأنبياء. Ça veut dire, c'est une parole qui vient des prophètes. طيب اسمعوا. قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام لما رأى الكوكب بازغا قال هذا ربي
lorsqu'il a vu l'astre qui s'appelle Shi'ra, Kaukab, ismu Shi'ra, قال هذا ربي, parce que sa communauté adorait l'astre, et il a dit هذا ربي, interrogatif, هذا inkar. Après il s'est absenté, rab والغياب تغير, قال لا أحب الآفلين, قال لا أحب الآفلين, je n'aime pas celui qui disparaît. فإذا, parce que la disparition est un signe de contingence, est un signe de changement, التغير, دليل الحدوث. فإبراهيم يقول لا أحب الآفلين, لا أحب عبادة من يتغير. إذن شوف كيف الله تعالى أخبرنا عن سيدنا إبراهيم في القرآن, أن إبراهيم استدل بالتغير للكوكب والشمس والقمر على أنه لا يصلح للألوهية. إيش كان مكتوب على الحائط على هذا المسجد القديم؟ لما كان هذا العالم لا يخلو من أمارة الحدث, دل على موجد أزلي, على الموجد الأزلي, ليس كما يقول ذو اليدين وذو النصنين. نحن عم نحكي لونغ غريغ, et dans les grecs il y a les philosophes, et il y a dans les philosophes ceux qui disent le monde n'a pas de début. Aristo ou Aflaton, il disait le monde n'a pas de début. Alors lui, qu'est-ce qu'il a dit? دل على وجود الموجد الأزلي, il y a un créateur azali et le monde est créé. Il a dit c'est pas comme il dit telle personne, ils visent les philosophes grecs, parce que c'est une langue grecque. Et les Grecs, c'est eux qui ont dit que le monde n'a pas de début. الفلاسفة اليونان هم الذين قالوا أن العالم أزلي, وقال العلماء المسلمون أن هذا الكلام كفر بالإجماع. الزركشي نقل, c'est lui qui dit que le monde n'a pas de début, c'est de la mécréance par l'unanimité. على كل, نحن استفدنا من هذا الخبر أن هذا الكلام موجود في الأمم السابقة, أن التغير دليل الحدوث, والقرآن ذكر لنا أن إبراهيم استدل به أن التغير دليل الحدوث. والحمد لله رب العالمين, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.